Yeah, we need 2 laps, but what it is? They call it, it's amazingly bad luck. Well, this is just incompetence. They can't even like control their own game. And this is already the 3rd time this happens to me now, that I get kicked off the game while doing this race, so it's also the last time I'm ever participating. Because what's the point? You prepare for 5 months to try and win this championship. You're leading the championship. You're trying to win this race, which you prepare for 2 months. And they handle it like this. I mean, there have been 2 red flags. They blame it on, I don't even know what, people DDoSing the server. Then they cancel the rain, because probably that's already a big influence. And then people are still getting disconnected. And now, of course, at one point also we were hit by it. And then they're just not dealing with it, because they need more, even more people to disconnect. honestly, it's a joke. It's not even, you cannot call this an event, a clown show. That's why it's better to retire the car, because drive around in P15 for 6 hours makes no sense for everyone, you know. Just a disgrace for all the effort we put in as a team. I really hope the organizers also, they consider where they put this race forward, because on this platform it's not gonna work. Une bombe est en train de se préparer en coulisses au sujet du Mans et du sujet jeux vidéo. Il y a un an, on vous parlait de Motorsport Games et des Le Mans Virtual Series, et bien tout cela pourrait passer sous pavillon iRacing. Enfin, j'ai envie de dire, c'est la thématique de ce nouvel épisode de Pit Stop. Je vous remets un peu de contexte pour démarrer. En 2020, Motorsports Games accélère pour rappel ses acquisitions, dont la licence des 24 heures du Mans, coïncidant d'ailleurs avec l'arrivée du Covid, l'événement Le Mans Virtual est un carton plein super hypé, bref, tout démarre sur les chapeaux de roue, mais entre retombées de la hype, jeux compliqués en termes d'accessibilité et problèmes de gestion, Motorsports Games, depuis plusieurs mois, est en train de complètement s'écrouler. À tel point que, eh bien, la santé financière de l'entreprise est en cause, conduisant à, eh bien, une brèche, celle de ne plus pouvoir assumer le paiement des licences, laissant les Le Mans Virtual Series qui se sont conclus avec les Le Mans Virtual la semaine dernière sans aucun propriétaire. Du mouvement était à pressentir, mais ce qu'on ne s'attendait pas, c'était que le réel puisse amener à un scénario dans le virtuel. Je m'explique, depuis plusieurs années est teasée la réglementation des hypercars. En 2023, c'est l'année de sa réelle application, du moins à grande échelle. On n'aura plus qu'une Toyota, LMH et une Glickenhaus. Me direz-vous, quel rapport au final avec l'Amérique? Ce move rapproche l'ACO et l'IMSA avec une réglementation commune permettant, eh bien, aux constructeurs de participer avec un même véhicule à 2 championnats, les LMH étant attribués pour le VEC et les LMDH pour l'IMSA. Depuis 2017, les US ont un plan qui se déroule pour remettre en selle le sport auto. Cela a commencé avec, eh bien, l'arrivée de Liberty Media cette année-là, rachetant, eh bien, la Formule 1, l'arrivée aussi de nouveaux circuits au championnat du monde de F1 qui a continué, Miami l'année dernière, Vegas cette année, en plus du Circuit of the America, mais aussi un rapprochement qui, au-delà de la F1, s'est fait au plus haut niveau de l'endurance. Et tout cela, eh bien, a eu un impact sur le milieu du jeu vidéo, notamment suite aux réalisations émanant de la période Covid. Vous voyez, nos amis américains, quand ils voient une opportunité, eh bien, ils y vont à fond. Cela fait maintenant, eh bien, 4-5 ans que toutes les entités du sport auto US se rapprochent des studios de jeux vidéo. iRacing, Motorsports Games, toutes les licences entre l'IndyCar, la NASCAR, le World of Outlaws et l'IMSA ont été négociées ou renégociées lors des 3 dernières années. Et si l'IndyCar se prend une belle sortie de route, l'IMSA verrait iRacing d'un bon œil pour aussi s'asseoir à la table de l'e-sport au-delà des Le Mans Virtual Series. Vous me direz, tout ça c'est bien, mais où est iRacing en fait dans tout ça? Le studio est en train, en fait, de peut-être aboutir à une belle revanche face aux ayants droit. En effet, il faut rappeler qu'en 2019, iRacing possédait la licence et une possibilité d'exploitation du nom des 24 heures du Mans. Les 24 heures du Mans sur iRacing étaient tout simplement d'ailleurs à cette époque, et je pense presque encore à ce jour, le plus grand événement de simracing dans le monde. Aucun autre jeu de sport automobile ne rassemblait autant de joueurs, autant d'équipes, sur une seule et même course et dans autant de divisions dans le monde. Et ça, les Américains l'ont bien compris, iRacing étant d'autant plus, vous le savez, une entreprise américaine, le choix est rapidement fait.
iRacing, pour contourner justement les ayants droit de cette époque, je vous en avais parlé il y a un an de l'effort d'investissement d'iRacing dans le B2B, et bien cela a payé chez les constructeurs, car aujourd'hui, si vous voulez un jeu fiable qui permet le partage de revenus et la création d'une économie du véhicule virtuel, seul iRacing le propose en fait. Porsche l'a compris dès le départ et tous les constructeurs sont en train d'emboîter le pas. Toyota va arriver avec sa LMH, même si elle n'a pas encore été officiellement annoncée, hein. La GR86 qui arrive, voilà, c'est un... Il n'y a pas de fumée sans feu comme on dit. La 963 de Porsche a déjà été scannée et déjà été communiquée. Ferrari est très pressenti, hein. Ferrari étant de plus en plus impliqué aussi sur iRacing. Bref, ce sont les constructeurs eux-mêmes qui ont servi eh bien, de levier au final à iRacing pour prêcher son cas auprès de l'ACO et enfin faire aboutir le projet Endurance sur iRacing, qui est eh bien, l'un, si ce n'est le plus gros marché aujourd'hui pour le studio américain. C'est une des principales raisons d'achat aujourd'hui d'iRacing, l'Endurance et la facilité à avoir de grands événements tout au long de l'année. En 2023, il est donc fort probable qu'iRacing sorte sur l'année diverses LMH, LMDH, le tout supporté par un circuit compétitif qui pourrait eh bien, toucher les pros comme les amateurs d'ici à la fin de l'année 2023. En bref, vous l'aurez compris, tout ce qui tourne autour du Mans et du jeu vidéo n'a pas fini de faire l'actualité cette année. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de cette news? Est-ce que vous pensez eh bien, qu'iRacing est le bon choix pour le Mans et pour eh bien, les 24 heures et un championnat officiel? Vous me le direz dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Sachez que, en ce qui concerne iRacing en 2023, je ne vous ai pas tout dit. Il y a deux autres points très importants en 2023 qui vont arriver sur la simulation américaine. Mais ça sera pour une nouvelle vidéo. Oui, je vous un petit peu pour cette fois-ci. On se retrouve très bientôt sur la chaîne. C'était Richard et ciao tout le monde.